For the audio, where you can even watch back, talk giving back. players all the props, or put them on blast. We S don't give no eye cakes, only talk facts. We're giving all our devotion, riding high on this wave of emotion. to know you know that we can hold it down shout out to my man sammy got it off the ground and to all the listeners tuned in right now got debates analysis and speculation this is sports talk for the new generation you know where to find us got a reputation sick podcast your number one sports destination We're giving all our devotion riding high on this wave of emotion going all out Cause this is the time No, we don't stop it. To my man Sammy got it off the ground. And to all the listeners tuned in right now, got debates, analysis, and speculation. This is sports talk for the new generation. You know where to find us, got a reputation. Sick podcast, your number one sports destination. Giving all a devotion, riding high on this wave of emotion. Going all out, yeah, cause this is our time. We don't give no hot takes. Only time back. S-I-C-K, 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 S-I-C-K. Turn up your volume, Because you. Cameron Porter delivers the goal to San Montreal in puck. To the, Champions League the sickest CF Montreal podcast brought to you by Energy Transportation Group driven to be different. Playground, your premier gaming destination. It's gonna be sick. <laughs> Marinero, ce jeudi après-midi, il est actuellement 13h02 de l'est. C'est The sick podcast CF Montreal Talk en français aujourd'hui avec Nilton George de Couscous Piri Piri. Nilton, comment ça va? Salut Tony, comment ça va toi? Ça va très bien, toi. Ça va en pleine forme, en pleine forme. Merci. Mais oui, je te vois que tu es en pleine forme, là. Je te vois, là. <laughs> avec euh, oh! le stade en arrière de toi, tu as l'air d'un gars qui est tellement en shape qui est prêt à, à, à disputer un grand match aujourd'hui. Oui, j'ai plus l'âge, par exemple. <laughs> ah, ton chum, Ronaldo, il approche de la quarantaine, puis Pepe, il y en a plus que ça. Ah ouais, ouais c'est remarquable. Ouais, je dois dire quelque que... chose, là. C'était pas dans les prévisions aujourd'hui de parler du Portugal, là mais je dois mm -hmm. dire là, Pepe, il m'impressionne. Hein. Yeah, non, mais Pepe, je n'ai pas toujours être, euh, été son plus grand fan parce que je trouvais à un moment donné qu'il avait un genre de talent limité. Et ouais, qu'on le faisait ouais. plus gros qu'il était, mais ah. il est pour les Portugais ce que Chiellini a été pour l'Italie, je ah. pense. Une... Oui, hein? ouais. mais en, en mode Oui, je, je comprends ce que tu veux dire, mais Chiellini a toujours été euh, quand même quelqu'un de sympathique sur. Ouais. Est oui, mais... un, il, il est toujours en mode beast mode. C'est un gars très, très fou dans sa tête. Mais en dehors du oui. terrain, c'était quelqu'un d'amical. Mais ses entraînements, je, je lisais il y, a, il y a 15 ans de ça, quand il est arrivé au Portugal, c'est avec Maritimo, tout ça. Lui, ce qu'il faisait l'été pour se pratiquer, pour avoir encore plus de puissance, il allait dans la piscine, puis il simulait des coups. Il kick dans l'eau pour avoir de la... Wow. Il a toujours été dans, le, dans la mentalité que physiquement... Il fallait ouais. être à son top. Il fallait être différent des autres. Mais oui, tu sais, les, les fameuses batailles euh, Real Madrid-Barcelone, ouais. tout ce qu'ils faisait sur le terrain, c'était fou, 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 fou. Tu t'aimes avoir ce genre de joueur-là dans ton équipe. Même, même chose, ouais. c'est pas le même style du tout, là, mais Mathias Cocaro, on l'aime parce qu'il est à Montréal. Mathias ouais. Cocaro, avec un chandail rouge, on le déteste. T'sais, ce genre de joueur-là, ouais. il en faut, faut, faut pas 11 sur le terrain, il en faut 11. Mais on a non, déjà utilisé ouais. un terme pour Cocaro sur, po sur ce podcast-là, le terme qui est malin. Pepe ouais. est malin. Chiellini ouais, est malin. L'idée de dire, ouais. là, Chiellini, c'est un, 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 un gentil monsieur, c'est vrai. Mais sur le terrain, il donne le sourire, puis ensuite, il s'en va pour tes jambes. Il donne le sourire, puis <laughs> il, ensuite, il j'ai déjà regardé un podcast avec Antonio Cassano, qui a été longtemps mmh. un joueur ah, d'attaque oui, en Italie, Il a même joué ouais. pour l'équipe nationale de l'Italie, qui lui disait que, euh, qu il avait, si je ne me trompe pas, il avait commencé sa carrière professionnelle à Bari. Et là, il avait marqué ouais. un gros but face à l'Inter de Milan, qui était son équipe d'enfance. Euh, puis un jour, mmh. il s'est retrouvé avec l'Inter Milan. Mais Cassano, il a dit Il dit, Chiellini » il dit, il donnait le sourire sur le terrain, il te demandait comment tu y allais, puis là, il te faisait quelque chose de vraiment, vraiment salaud, et là, il venait <laughs> te voir pour voir si t'es correct, puis là, il faisait de nouveau, en tout cas, euh, mais Pepe, il m'impressionne, Ronaldo, je l'ai toujours adoré, mais ses dernières performances comme titulaire avec le Portugal, c'est pas pour écrire à sa mère. maintenant, hey, ouais. euh, on, on va parler d'autre chose parce qu'on va parler évidemment du CF Montréal. Mmh. Et si on peut montrer la graphique, hier, le CF Montréal a officialisé une nouvelle qu'un qu qu un membre influent des médias depuis <laughs> 20 ans, un très, très bon mec avec les cheveux ouais. bruns et les yeux verts bleus, a sorti ouais. il y a un semestre. Il est vraiment chic. Il est vraiment ah, oui. C'est que le CF a accordé un premier contrat professionnel au Québécois Alessandro Biello et Matteo Schiavoni. Euh, ce qui était intéressant aussi, c'était de lire dans le texte les modalités du contrat qui était donné. Le CF Montréal accorde un premier contrat professionnel au milieu de terrain québécois Alessandro Biello à titre de joueur formé au club, ainsi qu'au milieu de terrain Matteo Schiavoni. Biello a signé une entente de deux saisons pour 2024 et 2025, en plus de trois années d'options, 26, 27, 28, tandis que Scavoni a paraffé un contrat d'une saison en 2024, muni de trois années d'options, 25, 26, 27. Scavoni sera prêté au Forge FC de la Première Ligue canadienne pour la saison 2024. Uh, Biello à tête de joie formé au club. J'imagine que ce n'est pas un titre qu a donné à, qui a été donné à Scavoni parce qu'il avait passé de l'Académie du CF Montréal à Bologne à un moment donné? Oui, mais il a quand même été formé. Là. Je veux dire, il a fait oui. un petit passage un an, Max? C'est ça? Il a fait un an à Bologne. Je, je, je veux dire, puis je ne sais pas la réponse à ça, j'aurais dû le savoir. Là. Mais Scavoni, c'est comme Biello est homegrown. Correct? Oui, 100%. Bien l'autre, un « homegrown ». Ce que va au ce n'est pas « homegrown » Je ne sais pas si au niveau... Parce qu'il parle aussi de transfert. Que suite à un transfert de Bologne à Montréal, on sait un jeune. Est-ce qu'il est est qu faut avoir un certain temps dans l'académie pour considérer « homegrown » Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça fait une grosse différence. De toute façon... Les, euh, éventuellement, quand ce qui si, si ce qu'ils avons vient à Montréal comme joueur de l'effectif, il va rentrer dans la catégorie des supplemental uh, places. Fait que pour moi, c'est la même chose. Là. Euh, je ne sais pas si c'est juste une, un texte qui a été plus ou moins bien ouais, ouais. c'est Peut-être fort, là, comment ouais. je dis, là, mais euh, Ces termes-là de la contrat, mais moi, ce que je voulais savoir aussi pour Biello, parce que maintenant, en MLS, depuis quelques saisons, tu peux avoir des signatures off roster. Ça, c'est pas le cas, ce pas ça qu'ils disent. Il fait partie de l'effectif. Donc, il fait partie des 30 joueurs jusqu'au moment où on décide de le prêter. Euh, exact. Et, euh, il, fait, il fait partie des 30 joueurs de l'effectif. Et ce est avontent est automatiquement prêté en CPL avec, euh, avec un club ouais. que le club, un club que Montréal a beaucoup d'affinités. Tu sais, il y a eu des rumeurs avec le coach, mais. Je veux dire, ça fait partie de la grande famille de Montréal. Il y a de l'influence avec son agent, l'agent de Skiavoné. Il y a beaucoup de là-bas. Tu sais, C'est un réseau d'influence normal au soccer qu'on voit beaucoup. On essaie, on a un réseau de contacts. On dit OK, ces joueurs-là, où on pourrait placer. Il y a eu, tu sais, eu valeur qu'on a placé. Il y a aussi eu d'autres endroits. Mais Skiavoné se retrouve au Atletico ouais, ouais. avec Assis. Euh, qui se retrouve là chez Forge, c'est pas une grosse surprise. On sait qu'il y a peut-être une certaine sécurité de minutes de jeu. Mais euh... ça, je le voyais, honnêtement, je le voyais venir de 100 000 à l'heure parce que l'entraîneur au Forge, il est client de l'agent de Scavoni. Ça, c'est numéro un. Puis c'est tellement proche la relation client-agent que certains les qualifient de partenaires. Oui ça, oui, ça existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les réseaux c'est pas juste à Montréal, il y en a partout à travers le monde. Non, ça existe partout dans le monde. Croyez-moi, les choses qu'il y a dans le monde du soccer. c'est Comme le réseau de confiance, cool, un peu. Il faut faire attention. Faut, des fois, il faut faire attention parce que ça peut déborder. Heureusement, en Amérique du Nord, c'est jamais arrivé. Pour l'instant, en Europe, des fois, il y a des relations un peu incestueuses. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas à Montréal. Moi, ce que j'ai hâte de voir, ce qui est venu, je n'ai pas beaucoup joué avec la réserve. J'ai beaucoup plus vu jouer Bielo. Bielo, euh, ça a pris, euh, ça a pris euh, deux apparitions sur le terrain. Je dis « OK, tu sais, c'est sûr qu'ils vont le signer. Tu » sais. Il n'y a pas juste le nom dans le dos, il y a le talent sur le terrain. Ce qui est j'ai hâte de le voir en CPL. Ce n'est pas possible, hein, un joueur de 18 ans en CPL. Ce sera pas, euh, pas un « walk in the park ». On va pouvoir le voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui lui, a un an de contrat. Bielo, il y en a deux. Ouais. Les, 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 les fameuses options de trois, quatre ans, ça commence à être un peu fatigant. Là. Les joueurs sont comme, j'ai l'impression que les joueurs sont un peu obligés d'accepter ça. Ils donnent ouais. tout le pouvoir au club. Mais que Schiavoni a juste un je ne sais pas trop ce que ça veut dire, versus Biello. Euh, peut-être que c'est le joueur lui-même qui s'est dit ok je me donne une chance on je va voir puis après je... parce que lui euh, une fois qu'il part Montréal c'est qu'il a déjà des visions déjà des idées en tête même Breza, c'était quand il est arrivé à Montréal non, non, mais, juste mais, un an, mais il Nilton, Nilton je pense je pense pas que c'est le joueur qui a dit non non ok je veux avoir un contrat d'un an c'est le club qui lui a donné un contrat d'un an puis on s'en souvient que la fameuse année qu'ils avaient signé les quatre jeunes joueurs de l'académie il y avait Saliba puis il y avait Redazuir, euh, puis il y avait Sean n'est-ce pas? Puis c'était qui? Euh, il y a un autre, c'était Kishan. Oh, Aziz, Daniel oui, Aziz. Mais il y avait aussi Kishan Ferdinand à un moment donné. Mais quand ils ont signé tous ces joueurs-là, c'était des contrats pour plusieurs saisons. Et si je ne me trompe pas, je peux me tromper. Skavoni, c'est le seul qui a un contrat d'un an. Plus des années d'option, on sait que c'est des années d'option du club. Mais toi, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont donné deux ans à Biello puis un an à Schiavoni? Ça te dit quoi, toi? Moi, ça me dit que Biello est devant, dans le depth chart, que Biello, ils ont peur de le perdre, que Biello peut partir ailleurs. schiavoni, ils disent, bah, il n'est pas encore sûr, on te donne un an. Il y a peut-être une certaine relation de confiance avec l'agent qui dit, OK, là, on regarde, on euh, si, si ça avait été quelqu'un d'autre dans un autre clan, peut-être qu'on aurait prêté tout simplement avant de donner un contrat. Peut-être qu'il est, euh, est encore en évaluation. Ou, si on vire ça de bord, peut -être, ça n'a peut-être aucun sens ce que je vais dire, mais si on change ça de perspective, peut-être que c'est ce qu'il y a qui dit ben, « j'ai vu ce qui s'est passé avec Chandrea, j'ai vu ce qui s'est passé avec d'autres gars qui sont partis en MLS Next Pro ». Je vais, je vais essayer en six Je vais voir comment ça se passe à Montréal parce qu'il commence à avoir beaucoup de monde à son poste. Puis peut-être que moi, dans un an, ce n'est pas à Montréal qui ne m'intéresse pas. Peut-être que je vais aller ailleurs. Peut-être que je vais utiliser la MLS Next Pro. Peut-être que ça y a pris du temps de convaincre que la CPL, c'est une bonne un bon chose pour de développement. Non, je ne pense pas. Nilton, c'est un jeune qui a essayé l'Europe. Il a vu. Euh, <laughs> Je ne veux pas utiliser le thème que je vais utiliser, mais il a vu la. OK, je vais utiliser le thème politique. Il a vu les, la politique, comment qu'elle est en Europe au niveau du foot. C'est extrêmement difficile pour un Canadien d'y aller en Europe et de faire des bonnes choses à, à part Jonathan David. Il n'y en a pas. Maintenant, oui, Alfonso Davis est là, mais qu'est-ce que je veux dire ouais, par là? C'est commencer sa carrière en Europe parce que. Davis et Connie, ils ont commencé leur carrière en MLS pour ensuite partir pour l'Europe. C'est différent, ça. Euh, quand un Canadien part directement pour l'Europe sans avoir fait ses preuves dans une autre ligue avant, tu es considéré comme un Canadien, puis partout dans et le monde, c'est en bas de la, liste, en bas de la, liste, de la liste. Vous ne savez pas jouer au soccer, vous autres, vous savez juste jouer au hockey. Donc, euh, moi, moi, je doute qu'il est allé là pour dire OK, non, je vais prendre un contrat d'un an. Je pense que le contrat, c'est le contrat qui a été donné. Euh, puis, euh, c'est intéressant quest ce que tu as dit, mais euh, écoute, on leur souhaite bonne chance. Penses-tu que Biello va rentrer? Biello, il va rentrer dans les matchs, OK? Ah oui? Un instant. Championnat canadien un peu en backup, peut-être? Non, non, non. Pas beaucoup de matchs, puis pas beaucoup de minutes, mais moi, je le vois déjà dans ma tête, tard dans la saison, je pense. Tu penses pas qu'Alessandro Biello va faire son rentrée au stade Saputo à un moment donné vers la 90e ouais, ouais. minute du jeu? C'est romantique, c'est romantique, c'est sûr. Mais pour Biello, sa vraie place, c'est de trouver une. C'est d'avoir des 90 minutes quelque part. Là. Je veux dire, à son âge, s'il fait juste des entraînements, après des matchs de PLSQ. Je mais c'est ça, ça le plan, là. Il, il va s'entraîner avec le gros club à tous les jours, okay. peut-être il va être sur le banc du gros club quelques matchs, il va faire une apparition avant la fin de l'année puis il va jouer quelques minutes, mais, ouais, tu, mais il a vas voir, tu vas le voir jouer dans la Ligue 1 Québec beaucoup, là. il n'a pas joué beaucoup dans la Ligue 1 Québec là. Je vois quelques vrai, mois, Il y a quelques mois. Mais il est loin, là. Il est peut-être quatrième, cinquième du banc pour rentrer sur ce terrain-là. C'est très, très loin. À moins qu'il y ait un plan précis en tête. On n'est pas au courant qu'il y a des gars qui vont partir. Mais je ne serais pas hyper surpris que rendu au mois de mai, juin, selon ce qui se passe en PLSQ, ils vont se dire OK, là, peut-être on a fait l'entraînement. Là, la prochaine étape, c'est être un titulaire dans une équipe, ils vont trouver un trou quelque part en, en, en CPL, une équipe qui a besoin d'un milieu de terrain, d'une espèce de, 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 de un nouveau numéro 6 du football qui anime le jeu. Il faut qu'il y ait des responsabilités. Biello, moi, je serais très surpris que Biello va aller en CPL. Moi, je pense que le plan pour tout le monde, c'est le CF Montréal. Mais est-ce que tu es d'accord? Je suis très en fait, surpris qu'il va jouer dans CPL. Je suis très, très surpris. Je, je comprends ton point aussi, là. Tu sais, jouer des matchs dans CPL au lieu d'être sur le banc et jouer des matchs avec la, la Ligue 1 Québec. Je comprends ton point, là. Mais je pense qu'encore dans la tête de, de, de plusieurs, ils pensent que c'est plus bénéfique faire 120 pratiques avec un niveau supérieur. Qu'avec un niveau inférieur vis-à-vis -vis les 120 pratiques avec un niveau inférieur et euh, des matchs. Attendez, je ne suis pas éducateur. Je n'ai aucune, aucune ouais. licence euh, Moi UFA, non plus. plus euh, aucune, OK? Mais je me dis, une heure, une heure et demie de pratique, ce n'est pas des situations de match, mais je comprends. Là, je comprends le, 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 comment c'est important une pratique. Mais ça et 75 minutes de match en CPL. Des hommes professionnels. Non, non, je te, à je te suis semaine, je te À suis. la fin de la semaine, ces ce deux heures-là de match versus ces cinq heures d'entraînement, je ne sais pas, c'est ouais. je toi qui est mieux, mais je lui non, non, dis. Je, je le fait que Thomas Giraldo ait passé beaucoup de temps sur le banc avec le CF Montréal puis il rentrait presque jamais, ça lui a fait très, très mal puis il a dû descendre en CPL, puis je ne pense pas qu'il va remonter en MLA. Je le souhaite pour lui, c'est vraiment un bon kid, <coughs> mais ça, ça va être très difficile. Mais ce que je sais, Nilton, ils vont tout faire, tout le monde, pour que Alessandro ait du succès. Parce que ça fait, des, ça fait depuis deux ans, tu parles à n'importe qui dans l'organisation, ils, ils vont te parler d'Alessandro. C'est le joueur qui voulait pousser et c'est un joueur qui a montré selon les, les, ses dernières performances avec Canada U20 que il y a quelque chose, le C'est un leader, il a une bonne personnalité sur le terrain. Il était capitaine, puis un des plus jeunes sur l'équipe, puis il mm -hmm. était capitaine quand même. Donc, il y a des qualités de leader. T'sais, ton père il a joué au niveau pro, ton oncle il a joué au niveau pro. Moi, je crois à ça aussi, t'sais, de la génétique, des, 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 des bonnes jeans, comme on dit en, en, en anglais. En tout cas, on leur souhaite du bonne chance. On va voir qu ce qui va arriver. Mais ce qu'on peut te dire, c'est qu'il y a cinq ou six. Mais oh, t'sais, avant d'y aller à leur coéquipier, toi, tu as, as fait un tableau. Je sais pas combien de temps tu passes sur ces tableaux-là. Je tout Mais tu as fait un tableau avec quoi? La masse salariale de l'équipe? Oui, ouais, ouais. j'ai fait un tableau. Ben, j'ai essayé de faire un tableau parce que déjà en partant, les, euh, les salaires sont pas publics. C'est l'association des joueurs qui donne les chiffres de ces tableaux, de, de ces salaires-là, et c'est de façon volontaire. On se rappelle que quand il avait commencé à faire ça, Piatti n'aimait pas donner son salaire. Il avait donné le, le cap IT, tout ça. Donc, j'ai fait, fait un tableau pour essayer de voir essayer de voir ce, comment Montréal s'occupe pour euh, pour, pour allouer son budget à différentes positions où on a rendu. C'est fun d'avoir ce tableau-là dans le off-season, voir bon, bon, ok, il reste quoi de place où on pourrait utiliser un peu ouais. plus d'endroits, les échanges, tout ça. T'sais. Puis, ce qui, est, ce qui est différent par rapport aux autres ligues, parce qu'on est habitué avec le cap-hit, au hockey, au foot, au football de la NFL, tout ça, c'est qu'en MLS, un salaire, ça ne veut pas dire ce qu'il va avoir comme cap hit rendu. Dans le budget. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. dont le plus important, le gros, la plus grosse différence avec le sport nord-américain, c'est les transfer feeds. Si un joueur a coûté 2 millions en transfer feed, bien, il va faire partie du cap hit. Donc, c'est pour ça que Montréal aime beaucoup aller chercher des joueurs en, euh, en transfert libre ou des joueurs qui sont en fin de transfert. Parce qu'en plus de son salaire, Ouais. Ils ne sont pas obligés d'avoir ce cap-hit-là un peu plus haut. Puis, ouais. différentes, puis, puis ça, ça fait une grosse, 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 grosse différence aussi, avec bien sûr toute le allocation money qui permet de descendre le cap-hit de certains joueurs. Donc, ouais. ce tableau-là, je l'ai essayé oui. à jour avec une nouvelle signature pour donner une espèce d'idée du portrait du, du travail de Vasily et de bolivier Renault. Ouais. En passant, je viens gros, gros je viens disclaimer là. Ouais, en passant. un pensant, gros je viens disclaimer, les répondre. chefs qui sont là sont. Ouais, allez, vas -y, vas -y. Oui, allez, vas-y, vas-y. sont oui. C'est les chiffres que toi, ah, tu ouais. penses selon quest ce que tu as, as lu. Euh, je viens d'avoir la réponse au niveau du scavoni. Il n'est pas un homegrown. OK? Il n'est pas un homegrown. OK. Parce Maintenant, on monte... Oui, okay. ouais, on monte le tableau. De la masse salariale. Est-ce qu'on l'a? Oh! Ah, là, là, on va mettre mes lunettes, là. <laughs> okay. Zoom in, est que, zoom qu Est-ce que... Qu'est-ce qu'il te sort à l'œil, toi? C est, c est, c est, y a-t-il quelque chose que tu trouves extrêmement intéressant là-dedans? Ce qui est intéressant, c'est que la location money, c'est très très opaque. Cet argent-là, on ne le connaît pas. Je sais que la MLS est en discussion pour essayer de mettre ça un peu plus... Euh public pour savoir comment l'équipe, mm -hmm. à chaque fois qu'on a la caution money, où il met sur quel joueur et qu'est-ce qui reste pour chaque équipe. Là, j'ai fait des hypothèses selon les joueurs TAM, selon les joueurs DP, selon les échanges qu'il y a eu. En principe, il reste encore de l'argent pour signer vos joueurs ou pour signer des nouveaux contrats, parce qu'il y a des gars qui s'en viennent en fin de contrat. Là. Chouanière s'en vient en fin de contrat. Si Roy éventuellement va falloir lui donner un nouveau contrat, ce n'est pas vrai qu'il va rester à ce montant-là. Les montants devraient être mis à l'ordre dans les prochaines semaines ou mois par l'association des joueurs, mais au niveau des places, les 20 places seniors sont présentement occupées. Il n'y a plus de disponibles. Euh, place pour des nouveaux joueurs. Et les 10 autres places que la MLS appelle les supplemental c'est pour les jeunes. Avec Biello, on vient de compléter les 10 autres places supplemental Donc, les, le roster de 30 est complet, mais au besoin, il resterait peut-être entre 1 et 1,5 million d'argent en occasionnée pour aller chercher des nouveaux joueurs. Et si mon calcul est bon aussi, il reste encore deux places internationales. Soit pour un nouveau joueur, si jamais on échange, par exemple, Mason Toy, ou pour un échange euh, avec une équipe MLS, ça exemple, place internationale, ça s'échange autour de 175 000 en location money, mais ça pourrait, ça pourrait augmenter parce qu'il commence à, à un moment donné, voir l'offre et la demande, il devrait avoir euh, peut-être un peu plus de demande. Mais quand on voit comment l'argent est réparti, il y a des joueurs ouais. oui, qui voient au oh vraiment trop cher. Il faut faire attention, c'est peut-être cher, mais ce n'est pas juste son salaire. Il y a aussi son transfer feed. Mais ce qui fait vraiment mal, puis je vais finir là-dessus, c'est quand on voit le 1,8 million, oui, c'est un joueur d'Épi qui reste à 680 000, mais le 1.8 million à Victor Wanyama, <laughs> on pourrait l'utiliser peut-être par oui. ailleurs. Mais ça va être sa dernière saison avec le CF Montréal, puis aussi. On doit passer, c'est fini pour Mason Toy aussi, là, à 608 000. Euh, J'ai vu ta Martinez à 1 million. Ouais, ben ça, c'est notre discussion. Mais ça, moi, je commencé beaucoup plus bas. Mais il gagne, et je peux te dire qu'il gagne plus que ça. Incroyable. Il je gagne je plus suis... qu'un million. Ben, tant mieux pour lui. Bravo pour son agent. Euh, bon, sur le terrain, c'est ça qu'on commence à dire, OK, il vaut, il vaut peut-être beaucoup d'argent hein, en espérant qu'il reste en forme. Mais Nilton, euh... je comprends, il y a tout un CV, par exemple. T'sais, je comprends qu'il oui, oui. n'est il, il pas encore au sommet de sa forme, mais dans le foot aussi, il faut payer des salaires, pas seulement sur qu'est-ce qu'on pense le joueur est aujourd'hui. Mais des fois, on doit payer des salaires. Sur, si tu veux avoir un joueur qui est un agent libre, qui peut aller n'importe où, il faut que tu payes pour qu'est-ce qu'il y a déjà donné, puis avoir un peu de confiance qu'il pourra, tu performer chez toi. Donc, tu sais, pensé que je sais qu'à un moment donné, toi, tu avais pensé peut-être un 500, 600 000 pour Martinez. Ça aurait été était impensable, Nilton. Ça aurait été impensable. Je comprends. Puis c'est peut-être le fait que quand on voit aussi la place qui reste en allocation money, peut-être que Montréal, ouais. c'était un des seuls clubs en MLS qui pouvait donner cet argent-là à Martinez. Parce qu'ailleurs, on profite, c'est un sirois qui coûte presque rien. Euh, des Watermelons pas très chers, qui était international. Chouanière ouais. qui pourrait faire facile, x2, des fois x3. Fois Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs comme ça qui coûtent pas cher, qui font en sorte que... On peut se payer euh, un Joseph Martinez à un million. Euh, mais <laughs> moi, je trouve que cet argent-là, mm -hmm. ben, c'est beaucoup d'argent pour un gars qui ne start oui. pas 30 games. Mais je te dis, il ne start pas pour l'instant, mais si jamais il retrouve sa forme, il va, partir de moi, il va commencer là. des matchs. De <laughs> bon, on, va dire, on, va dire, on va dire quelque chose. Tu sais qu ce que devient intéressant avec lui, Nilton? C'est parce qu'on sait tous que Joseph Martinez dans la boîte, là, il, était, il, est, il, est, il est fatal. Là, ouais. Il te fait vraiment mal euh, les dernières 5-6 ans. Mais euh, il contribue à l'attaque. Tu il... as vu la passe oh, pour Sunuzi? La passe ouais. pour Yankov? Hey! Il est en train de jeu collectif. Même avec ouais. des passes. Là. Puis, ouais, son euh, jeu collectif m'étonne beaucoup parce que moi, j'aurais pensé qu'il était en mode selfish sur le terrain. Ouais. Parce que quand il est arrivé à Montréal, c'était pas négatif là, ce qu'il disait, mais il disait vraiment que lui, il avait l'objectif d'aller chercher le record de la MLS. C'était OK. Lui, il s'en fout fait ouais. mal pour... À chaque ballon, il chute. À chaque ballon, il chute. Et on dit, à la limite, c'est pas grave. On a besoin d'un buteur. Mais c'est pas ça qu'il fait. Mais les, il, les petits trucs que lui, il va montrer à, à Ibrahim, qui va montrer à, à Vilsain, qui va montrer même à Opoku, ça, c'est un oui. certain valeur aussi. C'est un certain oui, valeur. Et, en tout cas, OK. Et, et, oui, et, et Olivier a compris aussi quand, qu la, la relation qu'il y a eu ou l'influence qu'il y a eu, par exemple, Victor Wanyama avec Ismaël Conné. Bien, il a pu faire de l'argent grâce à ça aussi en vendant après Ismaël Conné. Donc, oui, je comprends tout ce. Tu sais, euh, pierre le dit souvent... C'est un peu injuste de regarder salaire par salaire et de dire, OK, lui, il vaut, il vaut plus, lui, il vaut trop, lui, on le paye trop cher. Lui, c'est pas comme ça qu'il le voit. Il voit, il a, disons, il y a un budget de 15 millions qui est donné par Joe Saputo et il utilise ouais. 15 millions. Après, individuellement, ce n'est pas son problème à lui. Est-ce que tu penses que Mathieu Chouinard, qui est dans la dernière année de son contrat, va devenir le joueur, le. Québécois le mieux payé de l'équipe. Ah oui, Ou dans voir. le joueur québécois le mieux payé dans l'histoire du CF Montréal. Euh, ce serait qui d'autre euh, Patrice Berlin, qui a pris le record. Non, mais Patrice, c'est de l'argent, mais Piet, si je ne me trompe pas, là, parce que Patrice, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, mais Piet, je pense c'est le plus gros contrat. Pour un joueur québécois avec le CF Montréal, n'est-ce pas? Moi, si on me dit, par exemple, que Mathieu Chouagnard, à la fin de la saison ou pendant la saison, on annonce que Mathieu Chouagnard a un contrat TAM, je ne trouve pas que c'est exagéré. OK. Non. Donc, toi, tu penses qu'il va aller chercher plus que 600? Je pense qu'il vaut le 600 000. Il vaut, il vaut. Cette équipe-là, c'est un joueur qui a démontré que sur le terrain, c'est un must. Il ne faut pas non plus oublier, on parle de Martinez et de son importance en dehors du terrain, tout ça. Mathieu Chouagnard pour l'organisation vaut vaut vaut, 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 vaut quasiment un million de dollars à lui tout seul. C'est le premier, c'est un des premiers de la, de la, de la génération, des premières générations de l'Académie qu'ils ont développé pour devenir un joueur international from scratch. Là, je ne sais pas à quel âge il est en académie, autour de 10 ans, puis il finit comme international canadien, pas par défaut, là, par ses oui, performances le terrain. Oui, mais, mais regarde le tableau, regarde le salaire des Québécois vis-à-vis -vis des joueurs qui, qui partent partout sais, dans le monde. Ils il sont jamais payés à leur juste valeur. Malheureusement, ouais. ils ne sont jamais payés, ils sont ils ne sont pas respectés dans ce sens-là. Euh, c'est un peu, je ne sais pas, c'est un peu. Il faut Mais, que tu en vas chercher lon ground discount. Moi, je vais te dire quelque chose. Si moi, je que... moi, je ne suis, suis pas convaincu que Mathieu Choignard va aller chercher des 600 000. Mais toi, tu as dit qu'il vaut. Ça, c'est une autre question. Là. Moi, je te, je te dis est-ce qu'il va l'avoir? Puis moi, je ne suis pas Mais... convaincu qu'il va avoir 600. Je ne suis pas Ça convaincu du temps. tout. Ça va dépendre de quel game qu'il va vouloir jouer. Lui aussi, est représenté par un très, très bon agent. Et s'il décide de jouer la game de négociation, comme les autres n'ont ont peut-être pas voulu faire, parce que la mentalité malheureusement de l'organisation, c'est ça, il va avoir un discount parce que de toute façon, tu es à la maison, tu vas avoir des contrats publicitaires, tu vas faire peut-être plus d'argent, plus, tu vas être plus heureux, blablabla. Bla, bla, bla. Mais s'il si, dit, OK, mais okay, tu veux juste me donner 500 000 ou tu veux pas tu veux me donner à peu près la même chose que, que Samuel Pierre, 450 000 l'agent il se retourne il s'en va voir, bon pas Columbus là, parce que ça commence à être trop méchant, mais il s'en va voir de City maintenant puis il dit ah, ils sont prêts à me donner 650 000 mon gars il va dire, bon ok, vas-y, pars parce qu'ils ils vont se dire, ben ça va être toi le vilain il, il ouais. va falloir peut-être qu'il joue le hardball aussi du côté de Mathieu Choignard parce que le discount s'il devait avoir une différence de salaire, c'est peut-être chauvin, c'est peut-être euh, peut naïf de ma part, mais les Québécois qui, sont, qui ont été en plus développés dans la, dans la maison, ils ne devraient pas avoir un discount, ils devraient c'est plutôt l'inverse. Oui, je pense qu'il y en a qui pensent que Mathieu Chouanière, il a. Overachieve l'année passée. Là. Il a connu la meilleure saison de sa carrière. On sait tous qu'il un bon joueur, puis on sait tous qu'il peut jouer différentes positions sur le terrain. Mais moi, j'ai une question pour toi. Puis je le dis avec je vais le poser avec respect envers Mathieu. Mais je vais le poser quand même. Penses-tu que Mathieu Choignard, il est aussi bon que la saison qu'il a connue l'année passée? Hum. Ou Mathieu Choignard est ressorti du lot parce que l'année passée, il n'y avait pas beaucoup de très bons joueurs, il y avait des blessés dans l'équipe et le système qui jouait ne favorisait pas beaucoup d'autres joueurs dans l'équipe. Je comprends pourquoi certains vont dire ça, pourquoi on, on donne trop d'importance aux joueurs locaux. Puis ici, si s'appelait Smith, on ne ferait pas toute cette histoire-là. Je comprends ça, je comprends. J'avais cette opinion peut-être de lui au départ. Je dis « OK, peut-être qu'on en fait un peu trop avec notre joueur local. Mais euh, match après match, il démontre que hum, il n'est pas là par défaut. Là, il a joué une position qui n'était pas la qui est super bien faite. Là, il est en train de jouer une position qui est la sienne. Et son jeu est hyper important. Là. Tout ce qu'on lui demande comme travail, que ce soit défensif, il réussit. Quand on lui demande de faire du travail offensif, il est capable de faire du travail offensif. Moi, je pense qu'à mesure qu'il va jouer à cette position-là, les gens vont être de plus en plus convaincus qu'on n'en fait pas trop et que Mathieu Choignard mérite tous les, les éloges qu'on peut lui donner. Puis que non, on ne fait pas une différence pour dire que... Euh, vu que c'est un québécois, euh, à chaque touche de balle, euh, la touche est magnifique. Mathieu Chouinard, à la fin de la saison, là, je ne suis pas convaincu qu'il va y avoir encore plus de monde qui vont être d'accord avec moi, que le gars, il mérite d'être le joueur, au minimum, le joueur québécois le mieux payé dans l'histoire du club. Luis Munoz, actuellement sur YouTube, et on remercie tout le monde de nous garder sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Euh... T'as Joseph en passant qui t'envoie un message, Nilton. Il dit, Nilton, pour un gars qui fait des millions de dollars comme toi, Millions de dollars, <laughs> Ma meilleure, meilleure connexion parce que ton connexion Wi-Fi là, euh, t'es tu, euh, t'es où là avec ta connexion là Ah mais bon, ben, je sais pas ben, peut-être que j'ai un petit bug d'ordinateur là. Mais ben, là, je ferai pas ah, un reboot oui, bon maintenant. Hein? C'est ça. Ok, on va lui acheter un autre ordinateur. Luis Munoz qui dit, Monsieur. Je vais dire quelque chose qui ne sera pas populaire, mais Chouagnère n'est pas un joueur étoile. Il est un joueur juste en haut de la moyenne. Ils n'avons pas plus qu'un demi-million de dollars. Écoute, c'est son opinion. Puis, encore une fois, c'est ça la beauté du sport. Hein? On a tous droit à nos opinions. Il euh, y en a qui vont dire que c'est un jack of all trades, mais un master of none. C'est un gars qui peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer 7, il peut jouer euh, 10, il peut jouer 11. Euh, Joseph dit que peut très bien obtenir plus du club, sachant que son départ ferait mal au club. Ça ferait mal au club, mais est-ce est qu'il est vraiment le visage de ce club-là? Si Piet du club, ça ferait mal. Il est plus connu que Choignard. Il a plus de prestance que Choignard. Puis peut-être Choignard est un joueur plus important. Peut-être Choignard est un meilleur joueur. Peut-être Chouagnard a plus de matchs dans les jambes qui lui restent que Piette. mais si Piet partirait, ça ferait beaucoup plus mal. N'est-ce pas? Au, Parce niveau, que, on ouais, que Piet, au niveau Piet, Piet a une certaine personnalité que y a certaines personnalités que Chouagnard n'a pas, malheureusement. Oui, oui c'est oui, oui, vrai. Mais Piet a eu cette personnalité une fois que, que Bernier est parti. Est il faut souvent. Que le vétéran, que la star part pour que la prochaine star prenne sa place. On l'a vu dans plein, plein de sports. Puis oui, Choignard, la personnalité publique, elle est plus réservée, beaucoup plus timide. Mais on le voit sur le terrain. Il commence. Euh, euh, on avait une entrevue euh, avec Yankov au KNFC lundi, puis il dit que la personne qui crie tout le temps sur le terrain, c'est Choignard. C'est quand même une surprise de dire OK, Choignard sur le terrain, c'est celui qui parle non-stop, 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 mais sur un, dans une entrevue, il a l'air un peu timide. <laughs> Des, des fois, si crier si est, si est une bonne chose au foot, je devrais demander à ma femme d'aller faire un essai. Je vais aller voir tes problèmes. Mais je pense sincèrement, là, pour peut-être faire le tour de Soigneur, il commence à sortir de sa coquille. Il commence à devenir un peu plus confiant. Je suis d'accord euh, avec toi. Il doit sortir encore plus, Nelton. Oui, 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 tout à fait. Oui. Puis, puis il va prendre cette confiance-là avec le public. Je sais que d'habitude, dès qu'on voit un joueur qui joue plein de positions, puis on dit Bien, si tu es bon dans toutes les positions, ça veut dire que tu n'es pas assez bon pour une position. C'est un cas classique. Là. Je comprends. Il a dépanné ce club-là. Puis si je N'avait pas été là l'année passée, on n'aurait pas été éliminé dans la dernière minute de la game, game 34. On aurait été éliminé 10 games avant. Là. Mais je vous le dis, là, sur le terrain, au mid-terrain, essayez de le juger versus ce qui est disponible en MLS et ce qui est disponible mm -hmm. dans l'équipe. Il, il y a cote les meilleurs joueurs. Là. Il y a cote dans son rôle. Ce n'est pas à Costa, ce pas ça. Là. Mais Box euh, box moderne, vraiment beaucoup de choses à faire. OK. Le CF Montréal se sont entraînés aujourd'hui. Ils se sont entraînés toute la semaine au centre Nutrilet. Puis, ils vont partir pour Washington demain après-midi. Euh, évidemment, pour leur match face au DC United samedi soir. J'ai vu Cannes Football Club sur l'application X. Ils ont mis leur prévision pour le 11 partant pour les deux clubs. Si on pourrait le, le, le montrer, le voilà. Alex Bono ancien gardien but du Toronto FC, avec euh, Bartlett, puis McVeigh en défense centrale, avec euh, Santos comme latéral gauche, puis Aran Herrera, ancien joueur du CF Montréal, comme latéral droite. Juste avant la défensive, il y a Kirich et Peto, euh, Petoya. Et euh, ensuite... Euh, Piriani avec Di Pietro à sa gauche, puis Stroud à sa droite. Puis en attaque, c'est Christian Benteke qui est leur numéro 9. Pour le CF Montréal, 6 rois dans les buts. Trois défenseurs centrales avec euh, Waterman, Corbeau à sa droite, puis Alvarez à sa gauche. Juste avant, les trois défenseurs, Tapiette puis Chouinard, Juan comme piston droit, Lasseter comme piston gauche. Duke et Yankov qui jouent en arrière de Coccaro. Euh, mais ça l'a l'heure. Ça l'a Par contre, Duke ne m'a pas convaincu à date. Là. On, on le met partant, 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 partant comme 10. Là, évidemment, ils veulent le pousser, mais il va falloir qu'il ouais, sorte un bon match à un moment donné. Là. Je pense qu'on est en train de donner probablement une période de 10-15 games à Duke. Avec des consignes claires, avec des. Euh, avec des mortems. On l'a entendu, le coach courtois qui a dit oui, le Do qui sait sur quoi il doit travailler. On fait beaucoup de vidéos avec, on le montre les séquences ouais. qu'il doit faire quelque chose. T'sais, on est. C'est un, 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 un plan. C'est un projet, présentement. Mais, mais, là, présentement, le projet, c'est correct parce qu'on a des résultats allergés. Parce que de toute façon, ben, Opoko est blessé. Martinez n'est pas capable de commencer un match. Éventuellement. Quand Joseph Martinez va être top shape, Caro va est correct et que Yankov aussi va être correct, le projet d'Oak là ben, il va être un projet on de side parce qu'il va falloir qu'il trouve une façon de percer l'aliment partant en étant bon. Ce n'est pas ça qu'il fait là présentement, il est sur l'aliment partant parce que c'est un projet parce qu'on a beaucoup investi avec lui, puis on essaie de faire en sorte qu'il ben, rentre dans les fameux projets de Mialovic et ainsi de suite. Mais dans le peu ce qu'on a vu, il y a encore et Montréal, on a tous hâte de voir une combinaison Cocaro-Martinez dans un 11 partant. En face, United va très bien. Ils ont une seule défaite. C'était contre Miami. Bed a bien commencé la saison avec trois buts. C'est une équipe qui joue bien avec l'ancien entraîneur des Red Bulls. Ce ne sera pas une game facile en fin de semaine? Euh, Montréal, moi, j'ai tellement hâte de voir comment Montréal va réagir après ce match de folie-là à Chicago. Et, et qu'est-ce qu'on va faire aussi avec les internationaux canadiens? Tu sais, souvent, quand ils reviennent comme ça, il y a une fatigue mentale. Est-ce qu'on est qu va en profiter pour faire une certaine rotation? Euh, Lasseter, qui, euh, qui a joué mardi un euh, match avec le Costa Rica, est-ce qu'il va être. Euh, Est-ce qu'il va avoir les jambes pour faire un 90 minutes sur le côté gauche? Là? Euh, on va voir. Puis mais il n'y aura pas le choix parce que quand j'y pense, il y a Edwards qui est suspendu avec son carton rouge. Ça va être. Euh, ils vont avoir plein les bras contre Benteke. Hein, parce que Benteke, il pourrait te battre là, dans les ailes, il pourrait être battre par terre. Il peut, il peut faire face au jeu physique. Ils vont avoir les mains pleines avec ce gars-là. Par contre, moi, je vais te dire quelque chose. S'il y a un endroit à exploiter, moi, je ne suis pas convaincu les défenseurs centrales de DC United. Je pas convaincu. Ouais, défensivement, bah, défensivement, euh, je pense. Ouais, Le contre Saint-Louis, en plus, a été un 2-2. Oui, il accorde pas mal de buts, ça, oui. Ouais, défensivement, il y a un coup à jouer. Euh... J'ai vraiment hâte d'avoir Herrera d'un côté, Juan de l'autre. Moi, je dois te dire, là, Juan. Je l'aime beaucoup. Oui. Rouen, Ro, ça n'a pas, pas été long qu'on l'a convaincu. Rouen, c'est très bien dans un système tactique comme ça, en, en, avec des winbacks. Rouen, il, il a toute la capacité physique et toute la créativité offensive sur un côté pour produire des jeux intéressants. Puis on le voit, là, il y a beaucoup de volume. Là, tu sais, il, il, Ouais. Quand on avait, par exemple, Broguiard, il n'était pas capable d'avoir plus que 60 minutes dans ce rôle-là. C'était ouais. exigeant. Juan est capable, et oui, on l'a sorti quelques fois là, en fin de match, mais il est capable d'en donner beaucoup avec la même, le même, la même qualité, en tard en deuxième demi. Donc oui, euh, c'est un joueur très intéressant. Euh, ça, a été, euh, ça a été un gamble d'échanger Herrera après avoir été cherché pour beaucoup d'argent. Mais jusqu'à maintenant, le gamble est assez payant pour Olivier Renard. Nilton, les points qui sont allés chercher en début de saison, c'est dommage qu'ils l'ont vraiment échappé contre euh, Chicago euh, parce que ça a été phénoménal vraiment parce que ils ont sept points, ils auraient pu avoir dix. Tu à Cincinnati dans l'Est qui en a onze, puis Miami, New York, Columbus, Toronto qui en ont dix. Suis Montréal en sixième place avec sept en égalité avec Charlotte. Euh, par contre, Charlotte a joué un match de plus que le CF Montréal. Même Toronto, ils ont joué un match de plus. Puis même Columbus, puis même New York, puis Miami, ils ont joué deux matchs de plus. Puis Cincinnati, un match de plus. Mais quand même, ils vont très bien le CF Montréal. Mais les points qui sont allés chercher euh, dans les premiers quatre matchs de la saison sont d'une importance extrême parce que le mois de juin, ça pourrait être un, un mois extrêmement difficile. On va montrer une photo de cinq à six joueurs du club. Le voilà. Tu en as quatre qui jouent avec le Canada. choignard, Waterman, Piet, Sirois, qui vont, euh, ils vont être partis pour la Copa América. Tu as l'Asseter qui va représenter son pays. Tu as le chance que Joseph Martinez, si jamais il retrouve la forme d'un Joseph Martinez. Euh, retrouve son pays aussi, dont tu as cinq joueurs minimum qui vont manquer, peut-être six, durant le mois de juin. On montre maintenant les matchs durant le mois de juin qui vont fort possiblement rater. On a mis le match du 1er juin parce que même si la Coupe américa commence après ça, il va, va falloir avoir un camp avant ça pour la Coupe américa, évidemment. Donc, tu as un match à Philadelphie, à Montréal contre Real Salt Lake, à Montréal contre les Red Bulls, au Colorado, et à Montréal contre, encore une fois, l'Union de Philadelphie. Cinq matchs sans ces joueurs-là, sans compter s'ils ont des blessés, c'est là qu'ils vont aller à leur banc. Et on va voir, c'est quoi la, la profondeur de cette équipe-là, Nilton? Oui, parce que là, comme tu as dit, il y a le camp, il y a le Canada qui a déjà prévu un match contre les Pays-Bas le 6 juin. Euh, oui, mais une chance que ça arrive cette saison. Puis probablement que Olivier Renard, quand il a fait son recrutement, il avait ça en tête. Il fallait que tous les postes soient doublés. Euh, c'est le cas. À peu près tous les postes sont doublés. On est un peu chanceux parce que la Colombie de, de Alvarez n'est pas qualifiée pour les Jeux olympiques. Ouais. Euh, donc, on, on perd pas Alvarez. Euh, George Campbell, je ne sais pas s'il va faire partie de l'équipe olympique. Il pourrait peut-être perdre, perdre aussi Campbell. Euh, le banc va être testé. Puis, six matchs, c'est beaucoup là, dans une saison. C'est grosse... tu vas c'est là peut-être que tu vas voir le début d'un Alessandro Biello. Pensez-y. <laughs> ouais. C'est beaucoup, beaucoup demandé pour un jeune. Non, non, ça je sais, là, mais je ne te, je te dis pas de commencer un match. Là, je te dis pour rentrer dans un match. Mais à première vue, Nilton, à première vue, on amène le tableau de nouveau avec les matchs si on peut. Euh, regardez, à première vue. Wanyama prendrait la place de Piet. Mm -hmm. Right? Exact. Saliba va prendre la place de choignard. Une chance qu'il n'y si pas, qu a pas lui, une grosse saison. Une chance qu'il pas une grosse saison parce que est Saliba il serait aussi avec l'équipe canadienne. Oui, mais moi, personnellement, j'aimerais voir Reda Zouir à un moment donné. Là. Il Reda, Reda, il y a plus offensivement que Nathan Saliba. Il y a plus. De, je sais qu'il ne voit pas peut-être pas comme ça, là. Mais c'est mon opinion, Reda a plus offensivement que Nathan. Nathan, c'est sûr qu'il a un différent profil. Donc, au poste de choignard, tu peux utiliser Saliba, mais je pense que Zouir, il est, il est plus offensif, il est autant offensif que Choignard peut l'être comparativement à Saliba. Oui, oui. Euh, oui. Donc, ensuite, pour Lasseter, qui va manquer, t'as Raheem the Dream. Pour Sirois qui va manquer, il y a Breza qui va jouer. C'est des joueurs importants qui vont manquer, mais il y a des joueurs importants qui vont manquer des autres équipes aussi, là. Oui, exact. Oui, puis le, le Messi, c'est rien à écrire à sa mère, là. <laughs> ça, c'est ça. Puis, je sais que. Si Brezza est arrivé à Montréal, c'est justement avec cette fenêtre-là de six matchs, une opportunité de jouer des minutes. Je sais que certains partisans, avec raison, sont un peu stressés de voir Brezza prendre cette place-là de ses rois, que ça ne sera pas super évident. Puis, si jamais le Canada réussit un bon coup et qu'il se rende encore de finale, il y a une autre fenêtre. Là. Il y a au moins deux autres matchs au mois de juillet qui peuvent être perdus pour les joueurs canadiens. Euh. C'est tout le temps bizarre. Tu sais, la MLS, je comprends que c'est compliqué et que si on, fait, si on bloque le calendrier pendant ces compétitions-là, ça fait en sorte qu'on va avoir plein de semaines ouais. à deux matchs. Mais c'est très, très, très compliqué pour les équipes de la MLS de construire un effectif en sachant que tu as les matchs internationaux, tu as l'Euro d'un côté, tu as la, la Coupe América maintenant de ce côté-ci qui enlève plein d'éléments. Ça vient fausser beaucoup le, le, le classement. Mais bon, ça, ça donne des opportunités aux équipes là, qui, ont un, qui ont un banc un peu plus intéressant. Puis euh, là, notre, ce qu'on présume, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Tu sais. Je veux dire, euh, ouais. OK, Wanyama est là, Saliba est là, mais est, ça ne veut pas dire qu'ils vont être disponibles. Ça, on, on peut descendre très, très loin dans le depth chart, euh, mais c'est des opportunités là, pour des gars, comme as dit, on avait dit la semaine passée, Rida Zouir. C est, c est, faut il, soit il faut qu'il soit disponible parce qu'il va en avoir des minutes puis qu'une fois que tu fais une belle performance comme ça, c'est compliqué. Là. Tu sais, Wanyama joue. Montréal gagne. Euh, ils vont ouais. chercher, mettons, euh, trois victoires et deux matchs nuls là, avec Wanyama. Puis ils jouent un super gros match. Quand Piet revient, c'est pas si ouais. évident que ça de remettre Piet. Tu sais. C'est pas si évident non. que ça. Qu il, y a, il y a des gars qui peuvent changer le statut dans leur équipe grâce à ces fenêtres-là. Euh, et c'était la job de Vasily et d'Olivier de, de Renard de prévoir le coup, des coups à l'avance, puis de ne pas être dans le trouble quand ça va arriver. OK, euh, j'ai envoyé quelque chose à, à, à Shane Gaumont On va voir s'il l'a reçu, euh, s'il peut le mettre à l'écran. Mais ce matin, euh, j'ai reçu un message texte de, de Eric Forget. Je ne sais même pas comment il y a eu mon numéro, mais c'est correct. Je ne suis pas, pas, pas quelqu'un de fameux. Là. Mais avec plaisir, Eric envoyé Quand même un peu. ça. Quand même un peu. Euh, de 1642 Montréal, euh, dont il y a un visionnement pour le match du CF Montréal contre le D.C. United, dont euh, les, les fans du CF Montréal et euh, les gens du 1642 Montréal se donnent rendez-vous samedi. 30 mars, ce samedi, dès 18h30, euh, à la station des sports, qui vient d'avoir un plug sur le podcast, même s'ils si n'ont pas payé <laughs> pour la première et la dernière fois, au 57-73 boulevard Tachereau, à Brassard, réservation est requise, et, requises, et euh, 15% de rabais pour les membres du 16-42 montréal donc, c'est le 16-42 Montréal en collaboration avec le Cannes FC et la station des sports pour aller voir le match du CF Montréal. Ils m'ont invité, malheureusement, j'ai dit que je ne pouvais pas y assister ce samedi. Par contre, j'ai dit, Nilton, qu'il y a des fortes chances, il y a des fortes chances que toi et moi, on va être là la semaine prochaine quand ils vont jouer à Seattle. Euh, le samedi après ça, un match qui euh, va commencer à 22h30. Donc je cherchais une excuse pour sortir de ma maison à <laughs> 22h30. Donc je pense que je viens de la trouver pour samedi prochain. Droit, Mais tu as le droit de sortir à cette heure-là de la maison On va, on va, oui, on va confirmer avec Eric euh, dans les jours qui s'en viennent. Mais évidemment, euh, tout le monde est invité euh, à la station des sports ce samedi pour regarder le match. Avec euh, un groupe qui est euh, vraiment de gens passionnés euh, et des passionnés du club. OK, je pense que c'est tout. As-tu une petite prédiction pour moi pour le match de samedi face au DC United? Ouais, logiquement, Montréal devrait perdre ce match-là, mais depuis le début de la saison, ils nous ont juste pris. Euh, espérons un petit match nul, mais espérons encore un peu, encore plus. J'espère je, voir un match qui commence avec Martinez et Cocaro. C'est ça que je veux. J'espère qu'il est capable de donner au moins les deux ensemble 60 minutes, juste pour avoir un petit tease là, avant qu'il arrive à Montréal. Mais ce ne sera pas un match facile. D'ici, United est un bon club à la maison. Mais ce n'est pas qu'ils sont un bon club à la maison, c'est qu'ils ne sont pas bons sur la route. <laughs> Des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai, Tony. <laughs> Moi, euh, j'entrevois euh, un match nul pour samedi. Puis euh, honnêtement, euh, j'ai hâte à voir encore une fois le match qu'ils vont faire après la défaite du, du Chicago Fire, comme tu viens de mentionner, parce que ça, ça peut avoir deux effets. Hein. Ça peut les enrager et ils vont être vraiment tout Ils vont être prêts pour jouer un match de 90 plus des minutes de plus. Ou ça peut jouer sur le mental un peu, puis ça peut créer une certaine fragilité dans l'équipe. Mais moi, personnellement, je ne pense pas qu'ils vont perdre samedi. Mais j'ai goût de regarder le match. Je sais que toi, tu as le goût de regarder le match. Puis on va être de retour la semaine prochaine, ici même, au SIC Podcast. Puis n'oublie pas de suivre Nilton George et son coéquipier, Sofiane Benzaza, du podcast Couscous Piri Piri. Merci, Nilton. J'apprécie. Merci, l'invitation à la semaine prochaine. Bon match cette fin de semaine. Oh, OK. Merci beaucoup à, à Shane Gaumont aussi. Merci à vous tous d'avoir regardé sur YouTube, Facebook et Twitter. Suivez-nous sur nos comptes, sur les réseaux sociaux. mtl, sur Twitter et sur Instagram. Merci et bonne journée. Et abonnez-vous à notre poste YouTube. C'est complètement gratuit. Ciao, ciao. And that's a wrap. Hope you don't miss us too much until next time. Follow the SICK podcast CF Montreal Talk on YouTube, Instagram, Facebook, Google Play, and Apple Podcasts.